De la Libération, une collecte en faveur du Bleu de France sera assurée par des jeunes du Service National Universel. Depuis la fin de la Grande Guerre, le bleu est la fleur du souvenir et de la solidarité. Porter le Bleu de France, c'est montrer sa reconnaissance envers ceux qui ont donné et donnent leur vie pour le service de la nation. La cérémonie à laquelle vous allez assister comportera l'accueil des autorités civiles et militaires par le commandant des troupes et salué au drapeau du 3e Régiment d'infanterie de Marine et du 41e Régiment d'infanterie, suivi de la revue des troupes par le général Couetou. Présenté.
Le lieutenant Émile Guimard des forces françaises de l'intérieur prend contact avec Alphonse Poubard qui exploite la ferme de la Noué en Séron. En février 1943, Émile Guimard y conduit Guy Enfant, un agent du DCRA, du Bureau central recherche et action du colonel Passy, chef du 2e bureau du général de Gaulle. Guy Enfant a été parachuté près de Permel avec son radio dans la nuit du 21 au 22 décembre 1942. La mission de cet agent de la France libre dans le cadre de l'opération baptisée Cocker est de rechercher des terrains pour des parachutages et des lieux sûrs pour entreposer armes, munitions et matériel qui serviront à armer la résistance. Une grande clairière située au nord-ouest de la ferme de Condard, d'Alphonse Condard, est rapidement choisie comme dropping zone. Elle reçoit le nom de base Baleine. C'est à dater de ce jour que la Nouette est entrée dans l'histoire de la libération de la France. Dans la nuit du 5 au 6 juin qui précède le débarquement des Alliés en Normandie, deux flics de parachutistes sont parachutés sur le Morbihan. L'un, sous les ordres du lieutenant Marienne, touche le sol de sa patrie près du village de Haligen, en Plumelette. Le deuxième, celui du lieutenant Descamps, arrive près de Liran, en Guéhenno. Rapidement réunis, ils sont conduits le 7 juin à la Nouette, où se trouve le capitaine de frégate Chemaillet, alias Colonel Maurice, commandant des forces françaises de l'intérieur du Morbihan. La première mission de Marienne et des Plantes est de prendre contact avec la résistance locale et d'établir une base. Il prendra le nom de Dixon et constituera avec Somme-Ouest dans les Côtes du Nord les deux bases où vont se regrouper les 58 parachutistes des forces françaises libres qui vont être largués sur la Bretagne dans la nuit du 7 au 8 juin pour effectuer des missions de sabotage des installations de l'occupant pour empêcher les renforts ennemis de rejoindre la Normandie. Le 17 juin, le stick du lieutenant de la Grandière est parachuté avec ses quatre pieds. Le véhicule arrive en bon état, mais les conteneurs de mitrailleuses Picas qui devaient les armer se sont écrasés au sol. L'armurier réussira à en réparer une qui ne monte pas sur la jupe qui visera le lieutenant Marienne pendant le combat. La base Dixon s'est considérablement étendue, allant depuis la ferme de Beauséjour en Bois jusqu'au Hardy-Bellec et Sainte-Geneviève,
dans la commune de Saint-Marcel. Les bataillons des forces françaises de l'intérieur sont venus s'équiper en équipe en armement. Constatant l'étendue du camp, le commandant Bourgoin décide de conserver sur place le bataillon Doré du commandant Legarec, à qui il confie la protection de la partie sud et de l'ouest du dispositif. Certains jours, ce sont 2000 personnes qui sont présentes dans le camp qui s'est remarquablement organisé. Tous les fermiers des villages et de nombreux habitants de Céron, Saint-Marcel, Malécroix se sont spontanément mis à la disposition du colonel Chevalier et du commandant Bourgoin. Ils ont choisi d'apporter leur soutien aux patriotes pour la nourriture de maquisards. Ce fut un remarquable exemple de solidarité entre la population civile et les combattants. On ne dira d'ailleurs jamais assez le courage et le dévouement des habitants de la campagne morbihanaise dans ces moments difficiles. Il est 14h30 dans la matinée du dimanche 18 juin. Près d'une allée qui conduit au château des Harbi-Bellec, quatre hommes sont de garde. Deux parachutistes SAS et deux FFI du bataillon Doré. Deux Citroën, traction avant, occupés par 8 gendarmes de Puermel, viennent de pénétrer dans le camp. Les voitures viennent s'arrêter près du poste de garde. Un seul gendarme descend, mitraillette au point. Les hommes de garde n'ont pas le temps d'intervenir que le fait gendarme a tiré et blessé mortellement le sergent-chef FFI, Luc Canu. La riposte est rapide. Les deux faits gendarmes sont tués, le troisième blessé, tandis que le quatrième s'enfuit à travers bois. Deux autres parachutistes occupent avec deux FFI le poste situé près de l'intersection avec le chemin qui conduit à la ferme des Grands Hardis. Lorsque la deuxième traction arrive à leur hauteur, le SAS Dierpans est armé d'un 4, tire un projectile qui immobilise le véhicule. L'un des occupants est tué et les trois autres capturés. Ils seront enfermés dans la soute de la ferme de la Mouette. L'alerte a été donnée à Malétroit par le fait gendarme qui a réussi à s'enfuir. Vers 8 heures, venant du calvaire situé au nord du bourg de Saint-Marcel, les hommes du 17e état-major du génie de forteresse, cantonné à Malétroit, progressent en direction de Beaujolais, avançant en silence. Derrière les talus et les haies qui bordent la route, les Allemands surprennent un poste de garde et tuent trois maquisards ainsi qu'une fillette de 14 ans. Supérieurs en nombre, ils réussissent à atteindre les abords immédiats de la ferme du Beaujolais avant d'être repoussés par une contre-attaque menée par la compagnie parachutiste du lieutenant Laralde, renforcée par les FFI, dont une section de gendarmerie. Pendant toute la journée, des combats acharnés ont opposé les combattants des FFI, bien encadrés par les parachutistes, avec donc une nuit plus nombreuse, équipée d'armes lourdes. Vers midi, les avions alliés viendront mitrailler le groupement allemand. Le lieutenant Dumas avait envoyé des émissaires prévenir les fermiers et les habitants du camp qui ne participaient pas au combat, pour qu'ils aient le temps d'organiser leur départ. La nuit est tombée. Le corps-fond du bataillon Doré, avec ses trois parachutistes, se bat toujours contre l'ennemi qui a atteint les hauteurs situées derrière ce monument. Le SAS Runeterris sera blessé par des éclats de grenades. Nous sommes ici au cœur des combats du 18 juin 1944. Peu après 21h, le colonel Maurice et le commandant Bourgoin avaient donné l'ordre d'évacuer le camp.
Ils font libérer les prisonniers allemands et nomment des artificiers qui vont faire sauter les dépôts d'armes et de munitions situés à proximité de la ferme de Langwet. Dès le lendemain, la répression s'abat sur cette partie de la Bretagne qui, du 7 au 18 juin, porta le nom de la Petite France. Les fermes et les châteaux, ainsi que la presque totalité du bourg de Saint-Marcel, furent brûlés et plusieurs habitants furent assassinés ou arrêtés et déportés. Le général de Gaulle a manifesté la reconnaissance du pays aux combattants du maquis. Le 27 juillet 1947, il posa la première pierre de ce monument, grand phare qui se dresse dans les Landes de l'Anjou, qui, avec le musée, qui est là avec le musée, pour rappeler le combat héroïque de l'hiver parachutiste de la France libre, maquisards bretons et population civile, pour que la France retrouve sa dignité et sa liberté. Merci. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de la communauté de communes Val-d'Oust-Brocéliande, mesdames les maires de Séran et de Saint-Marcel, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les officiers, monsieur le conservateur du musée de Saint-Marcel, madame la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, messieurs les anciens combattants et leurs familles, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif et des porte-drapeaux, mesdames et messieurs en vos corps, grades et qualités, mesdames et messieurs, chers jeunes gens. Le président de la République a rendu ce matin hommage aux parachutistes SAS et aux maquisards tombés pendant la Seconde Guerre mondiale, à ces combattants qui ont payé de leur vie le combat contre l'occupant, le combat pour nos valeurs. Par sa présence, le chef de l'État nous a transmis un message. Le succès de l'opération Overlord est bien sûr l'œuvre des militaires alliés, des héros qui ont débarqué sur les plages normandes. Mais son succès est aussi celui de la résistance intérieure, celui de ces maquisards qui ont bloqué les troupes allemandes, ici, en Bretagne, pour les empêcher de rejoindre la Normandie. La cérémonie de ce matin et celle de cet après-midi nous rappelle à quel point le débarquement a été une œuvre collective, l'œuvre de tous ceux qui se sont battus pour la liberté. Les combats de Saint-Marcel qui nous rassemblent aujourd'hui, 80 ans après, et qui viennent d'être remémorés, sont entrés dans la légende de la résistance bretonne. Le 4 juin 1944, alors que la BBC diffuse le message « La flèche ne percera pas », tous les résistants morbihanais se rassemblent ici, à La Nouette, où le colonel Maurice a établi son poste de commandement. Surgit de nulle part, des centaines d'hommes affluent, donnant à son site ce surnom de Petite France. 80 ans après, c'est la même flamme qui anime le regard de ceux qui sont encore avec nous pour en témoigner ou qui ont entendu le témoignage de leurs parents ou de leurs grands-parents. L'éphémère existence du maquis de Saint-Marcel a valeur symbolique. Pour la première fois, la résistance extérieure
incarné par les parachutistes de la France libre. La résistance intérieure, incarnée par les forces françaises de l'intérieur et la population, ils se sont unis contre l'occupant et l'ont mis en échec. Ils paieront le prix fort de cette victoire. La répression est terrible. Nul n'est épargné. Le village de Saint-Marcel, réduit en cendres, en témoigne. Le 12 juillet 1944, alors que la répression se poursuit toujours, les soldats allemands, aidés de collaborateurs zélés, découvrent le poste de commandement de la cellule Dixon du capitaine Marienne, installé à Kéruel, à quelques kilomètres d'ici. À l'aube, Marienne et ses 14 frères d'armes, ainsi que 3 fermiers, sont fusillés avec la cruauté de ceux qui sont alors promis à la défaite. Près d'un mois après les combats du 18 juin, le bilan est lourd. Sur les 450 parachutistes français engagés, 77 ont perdu la vie et près de 200 autres sont blessés. Mais l'objectif de l'opération est atteint. Non seulement aucun des éléments allemands présents dans la région n'a pu rejoindre la Normandie, mais les combattants de Saint-Marcel ont démontré que la résistance pouvait tenir en échec l'armée allemande. N'oublions pas ce que nous devons à cette jeunesse sacrifiée et à cette génération de combattants et de résistants qui rendirent à la France sa liberté et son honneur. Leur engagement et leur sacrifice consentis au nom de la défense de notre pays et de la sauvegarde de ses valeurs nous obligent. Il est de notre devoir de faire revivre ces heures exaltante et cruelle à la fois. Le respect dû aux soldats et aux victimes doit rester intact si l'on veut honorer leurs actes héroïques et construire un avenir de paix. Il s'agit d'un patrimoine à protéger, à entretenir et surtout à partager avec les jeunes générations. Il est de notre responsabilité, représentants de l'État, élus, associations, familles et compagnons d'armes, par nos paroles, par nos attitudes, de garantir et de transmettre les valeurs républicaines de liberté, de respect et de tolérance. Cette commémoration nous invite, dans la fidélité du souvenir, à mesurer le chemin parcouru depuis presque 80 ans et les sacrifices endurés pour nous offrir la paix en héritage et cette nécessité impérieuse de la préserver. Alors que nous célébrons cette année le 80e anniversaire de la libération de la France, je veux rendre, au nom de la nation, un hommage solennel à toutes ces femmes et ces hommes qui ont combattu et qui ont souffert dans leur chair et dans leur âme pour rendre cette libération possible. Vive la résistance bretonne, vive la République et vive la France. France libre, parachutée dans le Morbihan à partir du 5 juin 1944.
Ça va? Oui, bah oui, Louis, de loin. C'est important là, le chien.